Allô, allô, c'est Malfred. Sixième run de l'Eden Streak, où cette fois-ci, on va rendre hommage à la bande à Basile. La bande à Basile que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, dites-vous que c'est un peu comme le collectif métissé, sans le métissage. En gros. Allez, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous invite également à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, je vous répondrai sans faute. Bonne vidéo. Bon bah, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la Gapispo. Ok. Nous avons également 0,88 de 18 de vitesse. 20-60 de range. 15 de tir rate. Oh, oh c'est pas terrible. 1,07 de shot speed, ouais. 3,49 de dégâts, c'est normal. Moins 0,55 de luck, ça c'est un peu chiant. On a la Leaf. Et on a la Guppispo. Guppispo, à voir. On a une coupe à la brosse. Et on a une curse qui nous empêche de savoir combien on a de PV, ce qui est très très embêtant. Parce qu'on pourrait avoir peu de PV. Ce qui est toujours assez ennuyeux. Après, hein, si je me fais toucher une fois, en vrai, je fais un coup de Gepispo, hein. Serait bien de mourir, saloperie. Ce serait sympa de mourir, saloperie! Au lieu de spawn 46 milliards d'araignées. Ça, c'est tellement des ennemis chiants. Le problème, c'est qu'il faut les DPS E, sauf que si tu DPS E et pas les araignées autour, bah tu étais vite submergé. Et du coup, ça prend 3 ans. Surtout avec un tir rate à 15. J'aurais pas dû faire ça. Quelle merde. Bon, j'avais un cœur rouge a priori, donc j'ai au moins trois cœurs bleus. En vrai, il est bien ce familier. Je vais le prendre. Ça fait mal. Vous avez vu ce moins 5 de tir rate alors que j'avais déjà 15?
Ça fait chier un peu, hein. Bon, encore un cœur bleu supplémentaire. Oh bah dis donc, j'avais 3 cœurs rouges. Donc du coup la guppispo c'était bien. Comme ça, de toute façon je l'aurais fait le coup de guppispo je pense. En vrai, c'est le familier qui fait le taf là. Hein. C'est totalement le familier qui fait le taf là. Hein. Eh ben c'était passionnant. Rising up back on the street. Ok, rock. Papa. Même si j'ai pas de bombe, de toute façon. Ah, s'il y a des trappes et tout ça, ça peut être intéressant. Excusez-moi. Merci.
Ah, c'est bien, hein. Oh putain. Ouais. Là là. Ouais, je compte sur toi, Séraphim, évidemment, hein. Merci Séraphim d'être là parce que moi, non, hein. Bon, ben c'est pas... Comment vous dire? C'est pas génial, hein? D6. J'ai pas envie, hein. Pour avoir pire, ce qui est toujours possible. Ça peut pas être pire, c'est bien sûr que si que ça peut être pire. Ça peut être largement pire. Connaissez pas Isaac pour dire que ça peut pas être pire. Oui, un orbital, c'est le GG, on est d'accord. Salut, Pegaderman. Mais bon, ce serait tellement la tristesse.
Salut, Dame d'aller. Ah, pas mal. Pas mal. Oh. 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 S'il pouvait avoir la bonne idée de se relever en haut, ce serait vraiment la meilleure idée qu'il aurait. Dans les flammes, quoi. Oh, quel bâtard. Mais quel putain de bâtard de boss. Mais genre, il me sort l'autre connerie. Bon, par contre, il a eu la bonne idée, évidemment, d'aller dans les flammes. On va prendre ça. Tant pis. Alors, où elle pourrait être, la super secrète? Est-ce qu'elle serait ici? Ou est-ce qu'elle serait plutôt dans la salle tout à droite? Oula. Ah, je tentais. Tant pis. C'était au dernier endroit. Merde. On sait jamais, hein. Ouais, on sait jamais, hein. Ça peut être à l'opposé, la super secrète. Malheureusement. Pas une bombe. Pas une bombe, hein, c'est ça. Ouais, je peux y aller avec une bombe. Faut une bombe. Faut une seule bombe et c'est cool. On va attendre. C'est une bombe quelque part. Mais c'est une troll bombe.
que dommage, c'est que la Bdatsky elle marche pas pour sortir. Ah mais l'autre il tape complètement au pif, donc c'est chiant. Oh là là. Oh là 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 là. Esquive, bordel. Compliqué, hein. Ouais, finalement, il n'y a pas de bombe, hein. C'est tellement plus rigolo. Pensez bien. Yes. Bon, on a la bombe. Cool. On va pouvoir commencer à regarder un peu ce qu'il y avait dans la run. Oui, on va bomber tous les murs, oui.
Un peu de luck, pourquoi pas, ça fait plaisir. Bon vieux Tears Down, hein, qui nous attend, hein. Il nous a déjà bien mis dans le mal alors qu'on était déjà pas très bien au niveau du tier rate. Ah, ça va être bien ça. N'importe quoi. Il fait n'importe quoi, la suite va vous étonner. C'est deux cœurs perdus un peu bêtement là. Enfin deux cœurs, peut-être moins. If you wanna have a good time. Le shop, il était... on pouvait le reroll, hein. C'est où d'ailleurs? Il était par là, non? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On peut avoir... Difficile de dire non à la boussole. On garde. Stopwatch, hein. Ah, stopwatch, par contre, ouais, hein. Si je... Il me faut 5 pièces, ce serait bien. Pour se mentir. Ouais, j'ai une pilule qu'il faut que je piffe, tiens. 5 pièces. 5 pièces, c'est pas évident. Super. Marc, ça peut te donner des pièces. Éventuellement. Sur un malentendu. Un gros malentendu. Heureusement, j'ai fait tous les murs. J'ai jamais trouvé la super secrète. Sous ma gueule. Hein. Enfin, tous les murs. Non, j'ai peut-être pas fait tous les murs d'ailleurs. Ah bah non. Ah! Fais pas le fou. Joue avec la porte. Ça veut dire que les flammes oranges, elles m'explosent la gueule. Ça serait dommage. Je dirais qu'a priori j'aurais 15 pièces. Mais je peux me tromper. Oui, dans le doute, il y avait le cœur d'or, oui.
Mais bon, pas besoin. Ça, la stopwatch qui va me donner de la vitesse. Et en plus, le slowdown quand je me ferai toucher. Ça, c'est cool. Oui. J'aimerais bien sortir le sabre laser et tout découper. Ça serait certainement plus simple. Et paf, moins 10. Merci, le Wire Cotanger. Ah, il est pété, ce putain d'objet. Bon, bah on va aller voir tout de suite le shop. On va se diriger vers le shop, en tout cas. Oh, c'est tellement plus agréable. Oh, j'ai tellement l'impression de moins me faire chier. Oh, c'est pas qu'une impression. Oui, alors ça, c'était pas très sympa, par exemple. C'est un bateau qui part sans larguer ses amarres. Sans son ni t'oublier sur le quai d'une gare. C'est comme ton maquillage le matin au réveil. C'est une paire de Ray-Ban alors qu'il n'y a plus de soleil. Putain! Un chèvre. C'est une boîte de nuit sans son disque jockey. C'est la station de ski sans neige et sans tire-fesses. Et un chagrin d'amour, c'est l'amour sans amour. Et l'amour sans amour, ça n'est plus de l'amour. Laisse le temps à l'amour de redevenir l'amour. Et tu verras l'amour, ça n'est rien que de l'amour. Un chagrin d'amour. Putain que ça fait mal. Virginie. Encore. Tant mieux d'ailleurs. Ah, ça c'est bien par contre. Aurons-nous des runes intéressantes ou aurons-nous les pires runes de l'univers? Ça par contre c'est autre chose. Allez, prenons ça. Oh lui, en vrai, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Surtout qu'il va être en quatrième position. Mais bon, après tout. Pourquoi pas, hein? Prends le King Baby et c'est n'importe quoi. Non, je vais pas le faire. Je vous le dis tout de suite, je vais pas le faire. Mmh.
Ah, c'est pas des Pokémon, hein. Oula, qu'est-ce que t'as marqué pour te faire do it, yes you can. Je peux certainement, mais non. Toujours la pilule Tears Down, hein, celle qui fait le plus plaisir à voir, hein, celle que j'avais envie de voir. J'aurais un PhD, je dis pas, mais là j'ai pas de PhD. Hein. PhD, ça serait bien avec toutes les tears down qui tombent. Enfin, des tears up. Merde. Yeah. Yeah. Merde. Manque de DPS commence à se faire sentir cruellement quand même. La merde, c'est chiant. Oh merde! Regarde les coffres avant de les casser. J'aurais pu utiliser ma clé aussi. Hein. Ça aurait été plus malin. Trop de problèmes avec cet objet. Hein. Le problème c'est qu'il est illisible. Hein. Avec les larmes rouges et tout ça. Hein. Je sais pas pourquoi je fais pas blanc rune dans le... ici. Hein. Si c'est perd trop... ça sert à rien de faire perdre trop en vide. Hein. Ouais, poster le pied en canard, c'est la chenille qui redémarre. Aventure les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Sérieux, il fait des cales comme ça au pif. Oh merde. Bon, c'est quoi le boss? Ok, ça va.
des boss les plus cool. Oh, à part qu'il y a le roche, il y a le truc à pic de merde, mais ça, c'est autre chose. À votre avis, qu'est-ce qui est le mieux à faire? Quoi qu'il arrive, je vais être déçu a priori, hein. Allez. Dance Blessing, on va le prendre. On va le prendre. Que faire? Allez. J'aurais peut-être pu attendre, mais non. C'était quoi qu'il y avait dans le dans l'item room déjà? Ah, il a Cryphagie, Osef. Bon, j'ai eu un damage up, un health up. Je pense que j'irai en Devil Deal après parce que j'ai deux cœurs rouges et c'est un peu embêtant, en vrai. Feels like I'm walking on sunshine. Tant mieux. Ah bon, le plus simple damage, c'est bien. Plus simple damage, c'est bien. On a plus la Tatsuki, mais en vrai, je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, donc... Ce n'est pas si grave. Hein. C'est un peu embêtant, mais c'est pas si grave. A priori, il y a une trappe, là. Hein. Oh, bien. Il y a même une secrète. Ouais. Perks. Pas la pire des pilules à trouver. Hein. Pardon. On va attendre qu'ils arrivent. Pas s'embêter. Volcano. Dommage. Faut que je revoie un peu le Angel machin. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ça dit juste Sacré Dark Tears, mais ça fait, ça dit pas ses dégâts. Tous les jours, hein. Tous les jours la black candle. On a full mapping entre boussole et map.
Tant pis. C'est bien en vrai, Sinus Infection, mais est-ce que je peux pas avoir mieux en reroll? Ah, je peux avoir pire, c'est ça le problème. Je pense que je peux avoir mieux. C'est pas non plus si ouf que ça. En vrai, j'aurais pu prendre la Revenge Fly. Ouais. Ouais. C'est pas mal ça, mais non. Ouais. Ouais. Ah, ça va être long à charger un peu parce que j'ai pas de tears up. Mais après j'ai juste le tears down du Death Touch finalement. Donc c'est correct. T'en fous de ça. J'ai déjà tout acheté. Yeah. Regardez Alguise. Sans conviction. Hein. On va garder Gera plutôt. Je dis on va garder Alguise et je garde Gera. Il faut que j'aille rechercher la mama bombe, oui, je sais. N'inquiétez pas. Mama bombe que j'utiliserai certainement arrivé en cathédrale, pas avant. Sauf problème qui peut arriver. Tiens, on va prendre ça. Infested. Ouais. Oh bon, c'est court. Infested. Something's wrong.
Mine de rien, les familiers ils permettent d'avoir d'avoir des tirs même quand je suis en train de charger. Ce qui est plutôt pas dégueu. Ah, le bon vieux Mr. Fred. Le Mr. Freeze. Pourquoi j'ai pas utilisé ma blanque rune? Regardez, si c'est perd trop, je suis un peu dégoûté. C'est pas perd trop. Mais c'est pas mal. Ah, dis donc. Nice. Non, y a pas de... Y a pas de halo, tiens. De lumière. Pas très sympa. Pourquoi j'ai pris ça? Je voulais pas prendre ça. Je voulais absolument jamais prendre ça. Putain. Tant pis. Bon, après, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Il y a toujours la stopwatch hein, qui gérera le problème, si jamais. Mais bon, c'est dommage. Je passais trop près de l'objet. C'est pas de bol. Je vais peut-être aller en Angel Room quand même au final. Et prendre un objet de... Prendre un objet d'Angel Room. Il suffit qu'il y ait la Godhead et c'est Crackman le retour. Hein. Ça, je vais reprendre ça. Ça, j'ai plus de cœur rouge. Oh, elle est longue. Thank you.
Quand c'est à gauche, j'ai la secrète. Ouf, on s'en fout, non? Tu veux dire la secrète qui est là? Bien vu, Grofédi. On t'appelle œil de taupe, toi, dans le milieu, non? Dégase. Oh le con. Ça pour aller voir la super secrète qui était nulle. Remarquez quand même que le TPS il est pas ouf hein. Oh là là, cette touche nulle hein. Ben non. Yera. Juste une mise au point pour les plus belles images de ma vie. Oh, l'île Loki. Oh, mais non. La colonie de vacances, ça ira bien. C'est pas impossible que j'ai une Pertro ou une Black Rune. Arrêtez. Même si bon, il y a peu de chances que ça se passe mal désormais, hein, évidemment. Non, Cleanly Stone, non merci. Hein. Allez, c'est vraiment pour vous, hein, pour que la colonie de vacances... soit vraiment au complet, hein. Putain. Les bonnes salles, hein. Les salles qui font plaisir toujours, hein. Toutes ces nuits. Alors regardez, vous avez deux exemples. Vous avez les ciseaux qui puent la merde et vous avez la cisaille qui pue pas la merde.
Ne jamais se tromper entre ces deux objets. Hein. C'est important. Hein. Ah, regardez. Hop. Allez, c'est parti. Suffit de laisser faire Plinking Shears, hein. Il est tellement fort, hein. Ah oui, en plus, j'avais le... C'est vrai que j'en avais deux, en plus. Vu que j'avais pris la car batterie.